Yahoo Vidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur mes achats du mois de janvier. Donc le jour où je filme, nous sommes le 15 janvier si je dis pas de bêtises. Et je vais te montrer déjà mes premiers achats de ce mois-ci. Et je reviendrai dans la suite de la vidéo pour te montrer la deuxième partie au niveau de mes achats. A savoir juste, je vais commencer par ce qui n'est pas manga mais qui a un rapport quand même avec cette chaîne. Et après on passera au manga. Donc en ce qui concerne ce qui n'est pas manga, j'ai acheté tout simplement deux films d'animation. Donc en janvier, je t'ai présenté le film d'animation Belle qui est sorti au cinéma. Et je te disais justement que je n'avais jamais vu le film Mirai, ma petite sœur. Et donc je l'avais acheté aussitôt en sortant du cinéma sur le téléphone, je l'ai directement acheté. Et j'ai acheté aussi Dans un recoin de ce monde, parce que c'est un film d'animation qui m'intéresse depuis un petit moment. Je vous avais fait un sondage il y a quelques temps de cela, il y a peut-être un an maintenant, je dois avouer, sur ce titre pour savoir si vous intéressez ou pas, et vous avez été quand même plus à dire oui que non, donc du coup bah, je l'ai acheté. Ensuite, ce n'est pas un manga, mais j'ai quand même réussi à choper l'extrait de New Love, New Life. Voilà. Et c'est par le même auteur que First Job, New Life. Je ne sais pas si c'est une suite ou une histoire parallèle ou quoi que ce soit. J'ai pas encore regardé, lu tout ça et même renseigné dessus. J'avais juste vu l'annonce des éditions Kana et c'est tout. Donc voilà en ce qui concerne les grands lits. Maintenant pour ce qui est des mangas, je te les présente par ordre alphabétique des maisons d'édition. On va donc commencer avec deux mangas que j'ai trouvés en occasion. Ce sont les tomes 4 et 5 de Chi Inuvicha. Si tu te rappelles, j'avais eu donc le tome 1, je l'avais acheté moi-même. Puis il y en avait que j'avais eu dans le Black Friday et d'autres que j'ai eu aussi grâce au calendrier de l'avant ou de l'après. Et donc il me manquait 4 et 5, j'avais 1, 2, 3, 6, 9. Donc là j'ai 4 et 5 qui rajoutent dans ma collection. Donc je suis très content parce qu'au moins je pourrais lire jusqu'au tome 6. Mais il faut savoir que pour la deuxième partie de cette vidéo, tu verras, j'ai acheté le tome 7 parce que sur Momox, va savoir pourquoi le tome 7 est carrément à 160 €, un truc comme ça. J'étais à non. Je regarde sur Amazon en neuf, prix normal, donc je l'ai pris sur Amazon parce que bon, moi j'étais sûre de l'avoir. Parce que je voulais l'acheter en librairie sur Bordeaux. Mais comme j'avais vu sur Momox qu'il était à ce prix-là, je me suis dit, mais si ça se trouve, j'ai de la chance de trouver sur Amazon, prends-le sur Amazon. Ensuite, chez les éditions Anna, j'ai acheté que 3 yaoi. Alors, je t'explique, normalement, si je dis pas de bêtises, ça c'est sorti du mois de décembre. Il y avait deux autres titres qui m'intéressaient, mais je les ai pas vus dans la boutique où je les ai pris. Et il y en a un où j'ai pris que le tome 1, parce que je veux d'abord lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2, bien entendu. Alors, on a Aftermage Slow Motion, si je le prononce bien au niveau du titre. Voilà. Alors, Chi, je t'ai pas montré la qualité de dessin, parce que bon, à force, hein... Je l'ai déjà montré plus d'une fois. À toi après d'aller voir les titres, enfin les vidéos en question pour voir la qualité de dessin. Donc voilà pour ce titre. Oh, mais je l'ai pas vu, j'avais un doigt dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris Come to Hand. Come to Hand, je pense. Voilà. Alors celui-ci, j'essaie de trouver des belles pages. Voilà, j'adore la qualité de dessin, j'adore les yeux aussi des personnages. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris donc le tome 1 de mon quotidien avec un Mononoke. Voilà. Alors, hop. Oh! Oui, voilà. Pour celui-ci. On continue avec un titre des éditions Kurokawa et c'est Oshinoko. Il faut savoir que les deux tomes sont sortis en simultané, mais un peu comme mon quotidien avec le Mononoke, je préfère acheter le tome 1, voir si ça me plaît, et acheter le tome 2 pour faire la vidéo, soit du coup critique tome 1, soit critique des deux premiers tomes. Le voici donc. Voilà. Et aussi j'ai pris que le tome 1 parce que quand j'étais... Donc d'abord j'ai commencé par aller à la FNAC. À la FNAC ils avaient... que le tome 2 et il était encore dans leur emballage, c'est sous blister de j'ai pas encore mis en rayon alors qu'il était déjà assez tard dans la matinée.
Et que les tomes 1, je le voyais nulle part, donc du coup, je pouvais pas au moins prendre le tome 1. Je suis allée à la librairie Mola. La librairie Mola, je voyais surtout le tome 1 et pas le tome 2, donc je me suis dit, c'est pas grave, prends le tome 1 déjà, tu verras ce que ça vaut. Et puis j'avais des doutes d'apprécier, j'avais peur que ça soit un petit peu comme le titre des éditions Kurokawa que j'avais présenté, où c'était une fille qui était fan d'une Magical Girl et qui, enfin ouais c'est ça, d'une Magical Girl et qui l'a cosplayée. J'avais peur que ça soit un petit peu dans ce délire-là et de pas apprécier, donc j'ai préféré prendre que le tome 1. Et donc on va terminer en ce qui concerne mes achats pour cette première partie avec des mangas des éditions Pika. Alors j'ai complété le manga Hitman avec le tome 7 et le tome 8, tout ça, tome 7 et le tome 9, parce que tout simplement, il y a une fois où j'avais un doute d'avoir le tome 7, et donc j'ai directement acheté le tome 8, et il me manquait le tome 7, et donc j'ai d'abord acheté le tome 9, et puis après je savais que, enfin, parce que je trouvais pas le tome 7, et là l'autre jour je l'ai acheté pour compléter et ne pas avoir de trou, parce que ça c'est le truc que je déteste. Et pareil, j'avais un trou parce que j'avais 1, 2, 3 du coup, et 5. Et donc j'ai voulu compléter la série avec Anne Feel in Love After School. Donc le tome 4. Ça j'ai fait une critique du tome 1, donc je te laisserai aller voir la vidéo critique tome 1. Dans mes achats manga, j'ai aussi acheté le tome 3 du manga Incandescence. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai eu le tome 1 lors du calendrier l'avant, je crois. Et j'ai lu le tome 1, sauf que quand je suis allée en boutique, donc à la librairie Mola, il n'avait que le tome 3, et comme la série de façon est terminée en 3 tomes, je l'ai acheté et donc j'ai commandé forcément par internet le tome 2. Mais en tout cas, j'ai acheté donc le tome 3. Je peux pas te montrer la qualité de dessin parce que bon, on est sur le tome 3, mais de toute façon, je te l'ai déjà présenté lors de ma vidéo achat du mois de décembre. Je te mettrai aussi le lien en i et en barre d'infos. On continue. On continue donc cette vidéo achat du mois de janvier. Nous sommes vendredi 28, si je dis pas de bêtises au niveau de la date janvier, et je n'ai acheté que ça. Tout simplement parce que la plupart des mangas, je les avais déjà, j'avais déjà du stock, etc. pour mes lectures. Donc j'ai pas eu beaucoup à acheter et j'ai quand même accumulé une semaine de retard à peu près dans ce que je voulais lire. Très clairement. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il, en ce qui concerne ces achats, il y a trois maisons d'édition. Voilà. Donc, il y a aussi les achats des soldes. En manga, donc j'ai acheté le tome 11 de Chi Invitcha sur le site de Momox, donc avec les soldes. Je n'ai acheté que 3 mangas sur le site de Momox, tout simplement parce que j'ai mis une demi-heure à percuter que j'avais eu le mail des soldes et qu'après les gens ils sont taqués, hein, ils sont là à l'heure pile pour les commandes, et donc la moitié de mon panier était, que j'avais déjà fait, était déjà au revoir. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 7 parce que tout simplement sur le site de Momox, quand j'ai voulu acheter le tome, il me mettait qu'il était à 130 boules, donc je me suis dit ok, peut-être que c'est un volume qui est devenu dur à trouver, ce qui peut arriver. Donc j'ai regardé sur Amazon, j'ai vu qu'il était au prix neuf, je l'ai acheté au prix neuf, donc c'est le seul que j'aurais acheté en prix neuf. Ensuite j'ai acheté pour compléter des trous principalement, donc le tome 1 de Sexy Cosplay Doll. Et si jamais t'entends mon ventre grogner, excuse-moi pour toutes les vidéos que tu verras avec mon ventre qui grogne, c'est depuis que j'ai été opérée de la sleeve. Je sais pas pourquoi, surtout là depuis 2 ou 3 mois quasiment, il grogne tout le temps. Voilà, donc je suis désolée. Bref, c'est Sexy Cosplay Doll, j'ai le tome 2, je l'ai eu en occasion, je sais plus trop comment, est-ce que c'était calendrier de l'Avent ou autre, mais toujours est-il, fallait que je complète pour avoir le tome 1 quand même. Donc là, j'ai acheté. Et j'aime bien d'ailleurs parce que elle a un choker et j'en ai un. Mais moi j'adore ça en plus, juste le simple classique, tu vois. Donc voilà. J'adore hein, ce que je prends d'habitude, là, ceux-là, par exemple. Mais là, ça allait pas avec mon pull gris là, de Xbox que j'avais acheté l'an dernier, en septembre, mais pas 2021, 2020, quand je suis allée voir Dragmar. J'avais acheté ce suite. Et donc, oui, bah voilà. Ça y est, j'ai rien de gris en fait. J'avais quasiment pas de vêtements gris d'ailleurs. Bref, Cigarette and Cherry des éditions Canard. J'ai le tome 1 parce que j'avais eu donc le tome 2 et 3 lors du calendrier l'après, si je dis pas de bêtises au niveau du calendrier. J'aimerais bien te montrer. Voilà, des jolies pages. Voilà. Ensuite, j'ai pris le. Alors, ça, c'est en neuf. Le tome 4 de Gift plus minus.
Tout simplement parce que j'ai donc tous les tomes jusqu'au tome 7 sauf le 4. Le premier je l'avais acheté en occasion je crois à Paris, puis après j'ai eu d'autres volumes avec le Black Friday, puis d'autres volumes avec le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après, et voilà. Donc juste j'ai complété pour éviter d'avoir un trou en plein milieu de l'aventure et tout ça. C'est un truc que je déteste comme ça quand il y a un trou dans une série. Et ensuite j'ai acheté le tome 1 de Arte, donc aussi en solde chez Momox. Donc j'ai vraiment bien aimé les pages parce que ça fait 3 fois que je les vois. J'essaie de trouver des images qui me plaisent bien. Voilà. Par exemple. Et donc lui je te le présente tout début du mois de mars. Il va falloir attendre encore un mois entier, mais je te le présente tout début du mois de mars. C'est dans les vidéos qui sortiront avant le 8. Voilà. Voilà, voilà. Et si vous êtes un peu curieux et un peu futé, vous allez chercher ce que c'est que la date du 8 mars. Et vous saurez le pourquoi du comment et qu'est-ce que je vous prépare. Ah, j'ai des cils. Les cheveux et les cils, là, ça me réussit pas. Voilà. Donc cette vidéo achat du mois de janvier est terminée. Il faut savoir que sur mon budget que j'utilise tous les mois, j'ai un budget de 200 €. Là, si je dis pas de bêtises, soit il me reste 90 €, soit il me reste 70. Donc de toute façon, le mois de février, je pense qu'il sera un peu plus rempli, même si très clairement, j'ai pas beaucoup à acheter pour compléter mes séries parce que j'ai beaucoup de séries. Je pense que tu as vu du coup la vidéo puis la lire, elle est sortie avant. J'ai donc pas beaucoup de séries à lire et puis des séries où j'ai par exemple les 4 premiers tomes sur les 10, donc ça va aller très vite au niveau du complétage. Et comme je dois retourner encore assez souvent sur Bordeaux au mois de février, je pense que j'en profiterai, je m'arrangerai pour que mes lectures casent et que quand je vais sur Bordeaux je puisse acheter, comme ça je profite des moins 5% en boutique. Voilà, bref, toujours est-il, c'est tout ce qui concerne cette vidéo achat. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quels sont toi tes achats pour ce mois de janvier. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, plus de réseaux sociaux, plus de chaînes YouTube, etc. dans la barre d'infos, ainsi que des codes promo, les deux vidéos que je te mets en recommandation. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!